garage where I can go for Géraldine est une aventurière. En Inde, elle nourrit sa passion du voyage. À 27 ans, cette jeune femme originaire de Normandie organise des expéditions à moto. Au Rajasthan, elle est en quête de nouveaux itinéraires qu'elle proposera à de futurs clients, des motards épris comme elle par ce que l'Inde offre de plus féerique. English? Ça a l'air de le faire, ouais. Ça fait un moment que j'attends, donc j'espère qu'ils ont bien compris ce que je voulais, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Wow. Dhanyawad for help. Very nice. Thank you. Donc, bah, au début, bah, c'était un peu galère, mais. Mais bah voilà, ça se finit plutôt bien. Donc, ça se finit même très bien. On va sûrement boire le chai après. Bourlinguer en Inde, comme le fait Géraldine, permet de remonter le cours de l'histoire. Udaipur, Jodhpur, Ajmer, Jaipur. Le seul nom des anciennes cités royales du Rajasthan est déjà un dépaysement et une invitation au voyage. Cet état du Nord-Ouest est une région immense à la mesure de l'Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde. Chaque année, Géraldine parcourt des milliers de kilomètres à moto. Son territoire, le Rajasthan, le Ladakh, le Népal, le Kerala. Géraldine explore de nouveaux itinéraires. Elle cherche à atteindre le temple Ombana. C'est le but de son repérage. Situé à 400 km de là, quelque part entre Udaipur et Jodhpur. Ce lieu est devenu sacré. On y vénère le dieu de la moto. Dans les villages perdus, le passage de Géraldine en étonne plus d'un. Une voyageuse solitaire suscite toujours la curiosité. L'Inde est un pays où l'émancipation et l'amélioration de la condition des femmes sont un combat quotidien. Namaste ji. Kumbharga, possible this way? Yeah? That's So, this is Kumbalgar. Ok. Je cherche mon chemin, je suis un peu perdue. Je cherche des petites routes, donc c'est un peu le but de se perdre, c'est toute la magie du voyage à moto. Il y a encore 6 mois, c'était un village très isolé, on pouvait y accéder que par des petites routes de sable, de caillasse. Et là, donc on vient de construire une route d'asphalte. Donc c'est beaucoup plus facile d'y accéder, donc voilà, c'est pour ça que j'essaye cette route aussi. Parce que c'est l'occasion d'étoffer un petit peu les itinéraires, passer par des endroits qu'on connaît pas, où les gens sont encore surpris de nous voir. You wanna come? Il faut de l'audace pour étancher sa soif de découverte. En fait, sur les pistes du Rajasthan, elle touche peut-être le cœur des Indiens, peu habitués à croiser le chemin d'une jeune femme libre et indépendante.
J'ai décidé de partir voyager principalement aux États-Unis et en Australie. Donc de là, je suis arrivée en Inde parce que j'ai une très bonne opportunité de travail à la base, mais aussi parce que bah, l'Inde, c'était un pays coloré, c'était une image très forte que j'avais. J'avais vraiment aucune idée de où je mettais les pieds, bah, parce que c'est un pays qui m'a touchée. Parce que je suis vraiment tombée amoureuse du pays, de la moto et d'un Indien. Ce pays de contraste et de légende va changer sa vie. Géraldine a décidé de s'y installer et même de se marier. On est au cœur des monts Aravelli. Donc les Aravelli, c'est 700 km. 700 km de chaîne depuis Delhi jusqu'au Gujarat, donc du nord au sud. C'est la seule région du Rajasthan qui est vallonnée, donc tout le reste du Rajasthan c'est des plaines, des déserts. Donc ici on apprécie en tant que motard d'avoir des routes qui sillonnent et c'est vraiment un plaisir quand tu es motard. De pouvoir parcourir des routes comme ça. Tu te retrouves dans des paysages que tu t'imagines pas. Avec une heure de moto, tu fais de la piste. Et c'est là que tu apprécies vraiment, que tu te dis, voilà, j'ai mérité ça. Et c'est un beau cadeau. On s'attache beaucoup à la Royal Enfield. Alors moi, c'est la première et la seule moto que j'ai jamais pilotée. Donc oui, forcément, j'y suis attachée. Mais j'y suis attachée aussi pour d'autres raisons, parce qu'elle a un charme fou, parce qu'elle fait un bruit d'enfer. Et puis bah, qu'à notre passage, dans les petits villages ou même dans la campagne, bah, les gens sont ravis de nous voir sur leur moto, parce que c'est quand même la moto, c'est la moto emblématique indienne. Donc c'est une très vieille moto, elle garde son côté vintage, son charme. Géraldine roule sur une légende. Elle a trouvé le moyen idéal pour aller à la rencontre d'un pays mythique. L'histoire de cette moto débute à la fin du 19e siècle en Angleterre. Elle est alors fabriquée dans une usine d'où sortent aussi des fusils, des revolvers et des munitions. Le slogan de la marque, Made like a gun, runs like a bullet. Faite comme un fusil, rapide comme une balle. Durant la Seconde Guerre mondiale, le jour J, ces motos débarquent avec les forces alliées sur les plages de Normandie. Après l'indépendance de l'Inde, la boulette équipe l'armée indienne. Elle est fabriquée dans le sud du pays et devient un symbole, car à 7000 km de là, sur le vieux continent, la production s'essouffle et le monde change. À la fin des années 60, un ingénieur indien rachète les plans de la moto. Elle n'est plus une vieille anglaise. La Royal Enfield est devenue une jeune dame indienne au style rétro et intemporel, comme l'Inde. Géraldine ne parle pas l'hindi, une des 22 langues officielles du pays. En Inde, seulement 10% de la population comprend l'anglais. Au Rajasthan, la barrière de la langue complique un peu l'aventure. Mais la moto est le meilleur passeport de Géraldine.
que j'aime particulièrement ici, c'est les gens, c'est ce qui me fait rester ici, c'est dans leur regard, quand je suis à moto et puis que je regarde à gauche, à droite, il y a des sourires qui s'affichent sur le visage des gens. Les gens parfois essayent de nous arrêter, ça nous arrive de les prendre sur derrière nous et puis de les déposer 5 km plus loin dans leur petit village, ou des écoliers qui doivent faire 10 km tous les jours à pied. Et ils sont bien contents de pouvoir faire la route avec nous. Et c'est ça que j'aime ici, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Impossible de parcourir le Rajasthan sans traverser les grandes villes du pays où bat le cœur de l'Inde. Avant de rejoindre le temple sacré de la moto, Géraldine fait escale à Udaipur. C'est une étape importante pour ses activités de guide moto. Udaipur est un passage obligé pour les étrangers en quête d'histoire et de merveilles. Good morning, sir. Géraldine rencontre aujourd'hui une des personnes les plus respectées de la région, le Maharaja d'Udaipur. Il descend de la plus ancienne famille aristocratique de l'Inde. Les rois n'ont plus de rôle politique. Tous les Maharajas ont la charge de préserver leurs palais et de les ouvrir au monde. Aujourd'hui, on vit et on vit avec son temps. Quoi qu'on fasse, il faut s'adapter à son époque. Il y a des centaines d'années, nos ancêtres le faisaient déjà. Il faut agir et vivre de manière adaptée à son temps. En présence de quelques notables de la ville réunis au palais, Géraldine a la chance d'assister à une cérémonie spéciale. Ce jour-là, le Maharaja célèbre son anniversaire. En Inde, le faste et l'extraordinaire côtoient souvent les vies les plus simples. C'est ce que Géraldine veut faire découvrir. Après 400 km, elle arrive à Ambona, un lieu sacré, un temple dédié à la moto. La spiritualité est partout en Inde. Tous les miracles et toutes les superstitions sont possibles sur cette terre où les dieux se comptent par milliers. Centaines de voyageurs s'arrêtent ici chaque jour. Ils viennent solliciter la protection d'un dieu de la route et des motards. À cet endroit, il y a une vingtaine d'années, Ambana, un motard indien, a trouvé la mort au guidon d'une Royal Enfield. Après l'accident, les gens racontent que la moto est revenue seule sur les lieux du drame. C'est pour cette raison qu'un temple a été érigé au bord de la route. Depuis, cette moto est devenue un objet de culte. C'est la fameuse Royal Enfield de l'accident. Donc, c'est une vieille moto. Hein. Je pense qu'elle a entre 40 et 50 ans. Et donc, ils n'y ont pas touché. Elle est restée telle qu'elle. Bon, évidemment, chacun vient ramener ses offrandes. Chacun vient la bénir. Donc ils donnent des fleurs, ils donnent à manger, ils donnent de l'argent. Tout est bon à donner pour se procurer la chance. C'est ça, voilà, c'est la chance en fait. Tom Swaha, Om Lakshmi Swaha, Lakshmi Swaha.
J'ai été bénie, donc c'est bon, je vais pouvoir repartir tranquille. Au moins, pour les quelques semaines à venir, je serai protégée. Namasté. La tradition et la modernité s'entrechoquent en Inde. Tout arrive dans un monde où le destin se tient dans les mains des dieux. Pour Géraldine, ce n'est pas seulement un pays surgi d'un univers de légendes. Elle y a trouvé sa part de rêve. Ben là, j'attends Pravin. C'est mon futur mari. Donc, on va continuer la route ensemble. Et il ne devrait pas tarder, à arriver, là. Aujourd'hui, dans l'Inde du 21e siècle, se dessine la nouvelle vie de Géraldine. Dans quelques mois, elle va épouser Pravin, un danseur de New Delhi et de Bollywood. Mais cela, c'est une autre histoire.